Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver, merci d'être là et de me soutenir. Alors amigo, dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer la map Liberty City sur GTA V. Alors, c'est les vacances, je t'emmène avec moi, direction New York. Et le commandant de bord prit son équipage de profiter du voyage au travers d'un showcase en 10K, parce que je n'aime pas faire les choses comme tout le monde. Donc amigo, t'es chaud, t'es dans ton siège gaming et devant ton écran, t'es dans ton canapé avec ton smartphone et tes écouteurs sur les oreilles, on y va. C'est Chippa.
Et j'espère que ce voyage au travers des rues de Liberty City t'en a mis plein les yeux. Donc, je compte sur toi évidemment dans l'espace commentaire si tu as envie de voir encore plus de Showcase Handica. Eh bien, je me ferai un plaisir de répondre à ta demande pour te montrer à quel point la résolution graphique de GTA V modée peut aller loin et de manière assez spectaculaire dans la définition. Donc, juste avant de commencer ce tuto, je tenais à faire un petit focus sur la mise à jour de GTA V. Comme tu le sais, il a été mis à jour en 17.37. Donc, peu importe hein, au moment où tu regarderas cette vidéo, il n'y a aucun souci. C'était juste pour te dire que moi, comme d'habitude, eh bien, à chaque mise à jour, je reteste tous les modes, donc tout refonctionne naturellement bien comme il faut. Pour pouvoir suivre ce mode et le réussir, évidemment, il faut que tu aies les prérequis, les bases du modding. Donc tout ça, c'est dans la vidéo sur comment installer les mods bien comme il faut et éviter les crashs. Donc le petit lien s'affiche en haut à droite. Et de ce fait, je ne peux pas te parler, regarde, du starter pack qui est ici. Et de te parler, évidemment, de l'actualité Mercato. De nouveaux outils arrivent, les anciens partent, tu as vu, ils sont vendus. Sont recrutés, c'est comme ça, tu as vu, c'est un petit peu le business des outils de GTA V option modding. Donc le GTA V Hip Adjuster est parti, il a été remplacé par le Hip Adjuster qui celui-là est en deux fichiers. Donc je t'ai mis naturellement le nouveau lien en mise à jour dans la description sur l'installation des mods, mais aussi le Community Script 2 qui maintenant est en 4 fichiers au lieu de 3 précédemment. Il y avait aussi une autre chose, le mode Minion, il fonctionne avec la dernière version de GTA. Je t'ai mis évidemment le lien dans la vidéo sur comment installer les maps en .xml avec le mode Minion. Ça s'affiche également en haut à droite pour pouvoir te régaler et te tenir informé de tout ce qui se fait maintenant. Tu n'oublieras pas sur ce tuto évidemment d'installer naturellement le game config optimisé. Tout ça aussi c'est toujours dans la vidéo sur comment installer les modes comme il faut. C'est déjà la dernière étape de ce tuto, c'est l'étape numéro 1, l'installation de Liberty Rewind. Et bien pourquoi la dernière étape? Et bien tout simplement pour le fun fact, je dois t'avouer que j'ai dû recommencer 3 fois cette map. Oui, 3 fois la prise de son, 3 fois le montage et 3 fois l'upload, à chaque fois systématiquement parce que le créateur de ce mode ne cessait de mettre à jour sa map. Donc pourquoi et quelles sont les différences? Eh bien, je te mets tout ça en lien dans la description et tu réaliseras ton choix en fonction des explications que je m'apprête à te donner. Donc, 3 fois la map, tu vois la première ici, Liberty Rewind 4K et Liberty Rewind, on va dire, la 0.27. Eh bien, quelles sont les différences? Eh bien, si elles se trouvent dans la même zone, eh bien, elles ne sont pas forcément au même endroit. Ce qui veut dire quoi? Que tu serais amené à trouver sur le net, eh bien, des petits mods, notamment le One World Trade Center, que tu pourrais adapter à cette map. Eh bien, il ne fonctionnera que sur celle-là. Tu pourras trouver également le World Trade Center fait directement par le créateur de ce mode et il ne fonctionnera que sur celle-ci. Et enfin celle-ci, ça, c'est la map Liberty City Rewind 4K. C'est la dernière, c'est la plus aboutie. Avec en plus les routes en HD, je ne te cache pas que c'est ma préférence, même si c'est celle qui consomme le plus de ressources. Donc, tous les individus, tu as vu, les amigos qui sont pas trop, tu as vu dans l'exigence, eh bien, avec une configuration un peu plus modeste, vous partirez sur celle-là. Pour les autres, ceux qui ont des configurations PC Master Race, vous partirez sur la 4K. Et celles qui ont envie de voir le One World Trade Center, comme dans le Showcase, vous partirez sur celle-ci. Alors, pourquoi le tuto Hyper Premium? Eh bien, parce que comme je te l'ai dit, j'ai passé énormément de temps et j'en ai donc forcément perdu énormément. Et je me suis dit, non, franchement, pour les amigos, faut bien qu'ils se rappellent pourquoi ils s'abonnent à ma chaîne, t'as vu? Et je me suis dit, on peut pas faire du modding sans à un moment donné pousser encore plus loin les limites de l'accessibilité. Et je me suis dit, il faut que tout le monde puisse en profiter. Donc, grosso modo, ben, je t'ai fait, on va dire, 90% du taf, tout ça, dans un point OIV. Donc, pour pouvoir installer la map, eh bien, je vais te montrer. On va se retrouver sous OpenFor, tu vas venir sous Tools, Package Installer, et après avoir réalisé le petit choix de ta map en fonction de ta configuration, eh bien, tu vas venir ici, regarde, moi j'ai choisi la 4K, sélectionner le point OIV. J'ai bien évidemment fait un gros crédit à tous les auteurs de cette map qui m'ont permis de me régaler parce qu'elle est absolument somptueuse. Donc pour l'installer, tu vas venir cliquer ici sur Install dans Mods Folder et ensuite sur Install. T'as vu, t'as quasiment fini l'installation, tu cliques sur Close, tu viens cliquer ici sur Edit Mode, oui, et tu viens te rendre dans le directory suivant, Mods, Update, X64, DLC Packs. Et juste avant de terminer le tuto, eh bien je vais te montrer, j'attire ton attention sur le petit chiffre en bas à gauche, t'as vu, là, le compteur, 99 items shown, eh bien ça c'est le nombre de dossiers qu'il y a dans ton répertoire DLC Packs. Bon, chez toi ce nombre ici doit être différent, mais pourquoi je t'en parle? Parce qu'il faudra que tu contrôles évidemment ce nombre, et une fois qu'il aura affiché plus 5 dossiers,
ça voudra dire que la copie se sera bien déroulée. Ok, c'est super important. Ça veut dire que là, pour moi, dans l'exemple, hein, c'est vraiment un exemple, je suis à 99, lorsque la copie des dossiers sera terminée, je finirai à 104. D'accord ? Donc, c'est très long, c'est pour ça que je t'en parle, mais crois-moi, ça vaut franchement le coup compte tenu du résultat final. Donc, il va falloir que tu viennes me sélectionner le East, l'intérieur, le Jersey, le Manhattan, je sais pas quoi, le Props, ici. Et tu vas venir me faire un petit clic et glisser, et tu vas patienter en attendant d'avoir atteint le fameux chiffre en bas à gauche plus 5. Ah, ça y est, regarde, ici, t'as vu, on a atteint le chiffre, donc on est bien à 104, ça veut dire que la copie du cliquer glisser, t'as vu, c'est bien réalisé. Donc, tout est bon, tu peux fermer, tu peux cliquer sur Edit Mode, tu peux fermer Open For, tu peux fermer ton répertoire d'installation des modes. Et j'espère franchement que cette vidéo va te permettre de te régaler encore plus sur GTA V, parce que dis-toi bien une chose, si elle est sortie, si elle t'a rendu service, c'est parce que d'autres ont partagé et se sont abonnés à ma chaîne juste avant que tu la découvres. Donc, bien évidemment, c'est le clap de fin. Je compte sur toi sur tes retours pour pouvoir me régaler et voir tes réactions, ce que t'as aimé, ce que t'as apprécié, ce que t'as envie de voir encore plus sur la chaîne. Donc, commente, like. Like, ça c'est important, c'est pour récompenser le travail réalisé. Abonne-toi pour me soutenir, pour pouvoir avoir toujours du contenu de qualité. Partage cette vidéo, évidemment, pour pouvoir rendre service à tout le monde et pouvoir toucher du monde. Donc, moi, amigo, c'est le moment pour moi de te laisser, de te donner rendez-vous à la prochaine. Je te dis donc à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao.